pour ma deuxième vidéo. Et oui, déjà la deuxième. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui comme deuxième vidéo, on va parler de mon chien. Car lors de ma première vidéo, j'ai un problème lors de mon montage. Et quand je disais les photos vont apparaître là, là et là, mais en fait elles sont pas apparues. Donc je me suis dit comme deuxième vidéo, bah, autant faire une vidéo qui parle de mon chien. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire que le comportement d'un chien, que ce soit n'importe quel chien, est assez caractériel. Chaque chien a son comportement à lui. D'autre part, les huskies ont un comportement très caractériel au niveau de tout, du physique, du comportement et tout. Alors moi, j'ai parlé pour mon chien parce que j'en ai qu'un, pourquoi je l'ai choisi et tout. Donc en fait, je me suis dit, j'adore les huskies, déjà c'est assez beau, tout le monde en prend. Mais faut savoir que c'est un chien très compliqué à élever, à éduquer et tout. Tout d'abord, c'est un chien qui est fugueur. Donc nous, pour résoudre ce problème de fugue, on a acheté un système de collier électrique. C'est-à-dire que quand il dépasse un certain périmètre, il se prend une décharge. Donc ça se passe plutôt bien maintenant. Il fait plus de fugue ni quoi que ce soit. Voilà. C'est un chien qui a beaucoup d'odorat. On peut... Le constat est assez facilement, il arrive à détecter des animaux de assez loin et tout. Il est assez compliqué au niveau du comportement avec d'autres animaux. C'est un chien très joueur. Ça reste quand même un animal, donc il a un peu l'instinct de chasse parfois, vu que c'est un husky et qu'il n'est pas très très dérivé du loup. Quand je me balade dans la rue, c'est assez drôle de voir le comportement des gens envers un chien qui ressemble assez fortement à un loup, parce que les petits peuvent dire oh, « Maman, regarde, il y a un loup !» Plein de trucs d'un genre, c'est assez rigolo. Et ils disent facilement qu'il est beau. J'ai eu plusieurs fois des gens qui se sont demandé pour prendre carrément des photos avec. Donc je trouvais ça assez mignon, assez cute. Voilà, c'est un chien très gentil, il a énormément d'odorat. Faut savoir que quand on prend ce chien, on le prend pas pour forcément dans un appartement. Parce qu'il faut quand même qu'il fasse un certain nombre de kilomètres par jour pour se dépenser. C'est un chien qui se dépense énormément. Moi je sais que je vais courir avec, mais qu'en plus mes parents ils vont se promener, qu'ils font environ 15 km dans les bois tous les matins en courant. Donc c'est assez sportif. Je fais de l'agility avec. J'en ai fait quand il était petit pour m'amuser avec des chaises, des tables et tout. Franchement c'était assez drôle. Ces chiens aident beaucoup les enfants dans les hôpitaux. Parce que déjà je sais qu'il existe des personnes qui y vont avec leurs chiens et ça aide beaucoup les enfants là-dedans. Et d'autre part je sais aussi qu'il existe des associations où leurs chiens ils aident pareil les enfants dans les hôpitaux, la visite des animaux et tout, c'est autorisé dans certains cas. Donc ça apporte énormément de courage, de réconfort et tout les animaux. Donc que ce soit n'importe quel animal apporte du courage aux enfants. Ses journées se passent à peu près toutes pareilles. Le matin en général il va se promener, l'après-midi il dort. Il est assez joueur, je joue assez facilement avec lui. Il a plein de petits jouets qu'on lui a acheté, donc on joue avec ses jouets et tout, c'est assez drôle. Il est très très joueur même s'il a 4 ans. C'est les chiens qu'on voit en général quand on part faire du traîneau. C'est les chiens qui tirent les traîneaux. Donc moi en fait ce que j'ai trouvé, comme j'avais pas la neige et que j'avais pas de traîneau, je l'ai attaché à mon vélo par un système que j'ai fait pour pas lui faire mal. Et je pars en vélo et en fait il tire mon vélo, bon pas trop non plus parce que voilà, mais il s'éclate quand même à tirer mon vélo et tout, c'est assez rigolo. Ce chien aussi, comme on pourrait le penser, on nous dit assez souvent... il vit à la neige, ces chiens faut pas les mettre au chaud parce qu'ils vont avoir chaud et tout. Mais en fait pas du tout, il peut autant descendre à moins 40 degrés qu'aller au dessus de 40 degrés. En fait son poil il est thermorégulateur, ça veut dire que qu'on le mette n'importe où, il s'adapte au climat. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à dresser leur husky parce que ça demande un travail énorme. Mais après si on a la bonne volonté, qu'on a l'envie et qu'on veut absolument ce chien, ben faut s'en donner les moyens et arriver justement à le dresser. Que ce soit nous les maîtres et pas lui le maître, car c'est un chien qui veut vachement dominer. Comme vous pouvez le voir là dans les images, le chien est en train de renifler parce qu'il vous détecte assez facilement la présence de d'autres animaux. Le traçage de d'autres animaux, si des animaux sont passés auparavant, par exemple des chevreuils, des biches et tout, et ben il pourrait le sentir. L'endroit où a été filmé mon chien, c'est chez moi, dans mon petit champ fourré, en fait, un mélange des deux. Donc voilà, si vous me demandiez où ça a été filmé. Il est assez facile à tenir en promenade et tout,
j'acclimate pas mal aux autres. Je peux le passer par exemple à quelqu'un, il peut le tenir assez facilement du moment qu'il n'y a pas d'autres chiens. Par contre, au niveau du caractère des autres chiens, il n'est pas très facile. Vu que quand il était petit, il a été agressé par un chien, mais maintenant il supporte pas trop les autres chiens. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à faire tout ce que tu veux. Franchement, vous avez été nombreux à regarder ma première vidéo, j'en suis très fière, je vous remercie énormément, à vous abonner et tout, franchement mille merci. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous la King Flower.